Il avait la préhistoire nostalgique. Pour avoir été impressionné par les films de Wolverine, il se coupait et taillait les ongles, au début par erreur, puis ensuite volontairement, en V ou en pointe comme autant de petites griffes. Il se laissait pousser aussi barbe et cheveux, pensant ainsi renouer le fil ancestral, renforcer son instinct et sa nature. Ainsi, goulûment, avec une férocité qu'il voulait animale, en un geste sauvage, il était de plus en plus régulièrement vu entrer dans une boucherie, s'acheter du steak haché, et le manger cru à peine sorti. Une autre pierre explicative permettait peut-être de retracer son cheminement. Une agression publicitaire à la télé où une marque de viande était grognée dans un cri viriliste d'une voix affamée et satisfaite. Une fourchette, telle une arme, venait griffer l'écran de fin. On savait à quoi s'en tenir. Hein. Le nom de cette marque était en outre un clin d'œil sonore à peine voilé à un joueur de rugby qui se distinguait par ses cheveux longs, sa barbe et son jeu supposément rugueux. Ainsi, son chemin mental avait été parsemé, tel le petit pousset, d'éléments qui auraient pu en partie expliquer ce que certains appelèrent une dérive comportementale. Peut-être aussi un autre élément le guidait. Un fond d'honnêteté intellectuelle. Les oripeaux de la bienséance des carnivores qui prenaient des airs affinés pour découper leurs morceaux de cadavres démembrés du bout de leurs délicates fourchettes l'indignaient. Ils voulaient, par ces actes, qu'elle les suive, arracher ce lambeau de vêtements mental, ce costume hypocrite. Lors de ses premiers passages de repérage le long de la route champêtre, à pied, par égard pour ce qui allait symboliser son retour aux sources primales, il avait vite estimé que le bois parsemé aux abords du champ dans lequel il y avait des vaches constituait un précieux point d'observation. Ce bois s'avérera être un curieux verger. C'était devenu une habitude rituelle. Il longeait tout d'abord les abricotiers en contrôlant sa respiration, traversait ensuite les pommiers avec l'agilité d'un rôdeur aguerri et se retrouvait ainsi à moins de 20 mètres du cheptel. Habilement camouflé, et j'en étais fièrement et profondément persuadé, il observait ainsi à la dérobée un jeune veau qui s'ébrouait et ruait dans le vide sur l'assiette verte de sa génitrice, qu'il repoussait doucement du museau. Le jeune, qui semblait découvrir les usages possibles de ses pattes, alla, gaillard et désordonné, gambader plus loin par petits bonds. Le chasseur ancestral déambulait dans le verger avec précaution. L'expression à pas de loup trouvait écho en lui. Il suivait alors du regard, absorbé et concentré, le veau paître en s'éloignant avec autant de crainte que d'excitation. Il découvrait l'herbe humide et savoureuse qui poussait éparse dans cet endroit inconnu, s'éloignant ainsi de sa troupe protectrice. L'implacable prédateur suivit la rangée de fraisiers sans perdre de vue le veau qui, chance, s'écartait toujours plus de ses congénères. Il ignora les francs, snoba nonchalamment les filles qui étaient, dédaigna silencieusement les cerisiers, ne prêta pas attention aux paris, ne considéra pas plus les péchés, ne fut pas surpris de trouver liberté, ne reconnut ni les groseilles ni les cassis, ne vit pas les kiwis, qui s'évertuait pourtant à pousser dans cet environnement
hostile, ne se laissa pas non plus divertir par les melons. S'étant approché à portée de griffe, l'apprenti prédateur chope alors le jeune herbivore gourmand par l'encolure et le pique avec ses ongles méticuleusement taillés, sans toutefois perforer sa peau. Le jeune meugle de surprise. Sa mère lève alors la tête, constatant avec effroi l'absence de son veau à proximité. Cherche du regard et va en direction du son qu'elle a identifié. Le chevelu, surpris, meurtri et vexé par son assaut loupé, tenta de rattraper le veau dans sa fuite vers l'oreille du verger en voulant l'immobiliser, le clouer avec ses ongles griffes par le bassin arrière. Ce dernier eut un mouvement réflexe et rua de ses jeunes pattes arrière, atteignant, sans le voir, le bas-ventre de l'humain, lequel écumait de rage déçue et d'une cuisante blessure narcissique. Son implacable plan prenait une tournure imprévue. Des secondes déconcertantes et une vive douleur nouvelle. De rage égoutie qu'il poursuivit sa proie, sans même s'apercevoir qu'il le coursait, à présent à découvert dans le pâturage. Le troupeau, alors, meugle et entoure le jeune. La mère déboule, semblant avoir reconnu le meuglement apeuré de son petit, et charge l'humain. Il esquive alors la charge d'un rapide pas de côté, tel un torero. Elle n'abandonne pas. Il charge à nouveau. Il se retrouve alors sur son dos. Aucun des deux ne comprit l'enchaînement de mouvements qui aboutit à ce curieux résultat. Une sorte de court rodéo s'ensuivit. L'humain ne fut fatalement déconcentré un dixième de seconde que parce que le mot blanquette apparaissait en lettres de feu dans ses yeux. Mais quoi, il était dans la trajectoire logique, là où les bouches raffinées s'essuyaient délicatement la commissure des lèvres devant leur assiette vide. Ah, il était bien mal récompensé de ce courage honnête. Dans ses actes, une certaine cohérence toutefois. Il acceptait et reconnaissait la loi de la jungle. Il avait joué, il avait perdu. S'il devenait la proie, c'était dur. Mais, dans l'ordre des choses, oubliant que dans la nature, nécessité fait loi. Or là, sa mise à mort n'était pas indispensable. Il se méprenait ainsi sur la fixité du regard du bovin.